Kepayontana. Sinang aku make ya, make make baiki. Je me souviens d'une nuit dans la jungle où, comme la précédente, hurlait en moi une voix. Elle hurlait qu'elle ne voulait pas savoir, qu'elle voulait tout oublier, rentrer chez moi. Mais il était trop tard. L'expérience mystique n'est pas une pratique intégrée à nos cultures, et pourtant j'ai senti son appel. Je suis allé les voir, eux, les indigènes, les chamans, ces sorciers qui soignent avec des plantes psychotropes. En portant le verre à mes lèvres, je ne savais pas encore que je m'étais embarqué pour un voyage sans retour. C'est avec respect que je suis parti à leur rencontre. Respect pour ceux que j'imaginais capables d'affronter la peur de la mort, capables de la transcender. Des êtres explorant le plus profond de leur psyché, décryptant les mécaniques mêmes de la pensée, pour que se révèle ce monde invisible. J'ai parcouru le Mexique puis le Pérou à la recherche de ces hommes. J'ai partagé leurs rituels jusqu'à ma rencontre avec Esten Betsa, un chaman indien Shipibo-Conibo. Les rituels partagés avec lui m'ont amené jusqu'aux frontières de la mort mentale, jusqu'à un point de rupture où mon esprit a dû accepter ces expériences, accepter de remettre en question et de redéfinir la réalité d'une manière nouvelle. Enseño a los jóvenes a tener este conocimiento psicomágico o la práctica espiritual para que así ellos puedan enseñar a su pueblo, trabajar en su pueblo como chamanes, no solamente el trabajo de chamanismo, también enseñar cómo vivir la vida, cómo vivir en la tierra, cómo respetar los fenómenos de la naturaleza. Entonces, esto es para mí muy importante porque sin este conocimiento espiritual, uno pierde también el equilibrio de su conocimiento como ser humano. En todas las ceremonias, por ejemplo, para comenzar la fiesta, El primer cantor canta para tomar contacto con los espíritus. El momento del corte de cabello, también la mujer que cantó ha hecho contacto con los espíritus.
Después, en el momento del sacrificio del animal, también hacen contacto con los espíritus, ¿no? Y luego, cuando traen acá a la casa el animal muerto, la mujer canta poniendo el animal, también está entregando el espíritu del animal al espíritu de los muertos. L'ayahuasca, la liane des morts. La violence de l'expérience est réelle. Tout comme ses joutes, elle se déroule dans un monde symbolique. Dans ces fêtes traditionnelles, les Indiens boivent un jus de maïs fermenté. Mais c'est dans l'obscurité et le recueillement que les chamans prennent l'ayahuasca. Que contient cette liane sacrée? Comment peut-elle projeter la conscience dans un nouvel espace inconnu? Par quels moyens le chaman peut-il guider ses patients avec ses chants? Y a-t-il dans l'histoire humaine d'autres phénomènes comparables? Les chamans sont-ils les voyageurs secrets d'une réalité plus globale? Dès le retour de mon premier voyage, j'ai voulu enquêter dans la science, le domaine qui validait jusqu'à présent mon système de croyances. J'ai trouvé des hommes ayant consacré leur travail à l'étude du chamanisme, des religions et plus largement des phénomènes liés à la conscience. Ces philosophes, psychiatres, ethnologues et pharmacologues m'ont progressivement permis de voir que la réalité dans laquelle vivent les chamans trouvait des résonances dans leurs recherches. If you look at the Old Testament, you know, you have Moses having the vision of Jehovah in the burning bush. You have Abraham communicating with the angel. In the New Testament, Jesus being tempted by the devil, Saint John of the Cross having the vision of the apocalypse, the beginning of Islam, where the mystical visions of Muhammad, the visitation of Archangel Gabriel, the story of Buddhism begins with the experiences of the Buddha. So we would not have religion without these experiences of the founders of the religion, of the prophets, of the saints. So it's very interesting that
when religions get organized, they very frequently move away from these experiences. And, you know, today in many of these today's churches, you just go there and you hear stories about what happened to people 2,000 years ago. But if somebody in today's church would have really a full-blown experience of the kind that inspired the religion, your average priest would call the ambulance and the person would be taken to a psychiatrist and put on tranquilizers. When the Europeans came to the Americas in the 16th century, the 17th century, they brought with them the laws of the Inquisition, which specifically forbade the utilization of plant psychoactive material to facilitate altered states, and specifically rejected and identified it as an abomination and heresy to utilize such psychotropic plants in attempts to heal individuals. So we're not the first culture that has recoiled in horror from these altered realms that the hallucinogens open up to us. But I do believe there's a great deal we can learn from native practitioners, from the indigenous shaman, who have a lineage of generation after generation of work with this plant material, and who might very well have something to teach us. The primitives, the so-called primitives, may have a tremendous wealth of knowledge that us so-called sophisticates do not have access to, but from which we might learn and which might help us to succeed in facilitating new models of healing and understanding, which could benefit our whole society. Social, un chamán dentro de los pueblos indígenas es como un líder espiritual, es un guía espiritual. Uno tiene que ir escalando el nivel del conocimiento. Entonces, para ser un buen chamán, requiere un buen tiempo, como un año o dos años, para ir ganando tanto el conocimiento y la técnica de las prácticas, y como también el uso de las plantas medicinales. Esta planta es la planta de chacruna, que sirve para cocinar con la ayahuasca. La ayahuasca proviene mareos y la chacruna proviene visiones. Para eso se juntan los dos, de las dos plantas. La ayahuasca se va a cocinar casi como 10 horas. Se tiene que refinarse todavía, sacar un poco de esta medida. Les feuilles de chacruna contiennent de la DMT, qui est un hallucinogène puissant, mais qui est oralement inactif, puisque dissous par une enzyme précise du tract digestif, la monoaminoxydase. Alors il combine les feuilles de la chacruna avec la liane de l'ayahuasca qui contient précisément plusieurs substances qui inhibent l'enzyme de l'estomac.
En mélangeant les deux plantes et en les cuisant ensemble pendant des heures, on arrive à une boisson de la DMT oralement active et la molécule hallucinogène passe à travers l'estomac intact et arrive au cerveau. Comment ont-ils pu trouver cette recette lorsqu'on sait qu'il y a 80 000 espèces de plantes supérieures dans la forêt amazonienne? Ça fait que cette, n'importe quelle combinaison donnée, il y a une chance sur 6 milliards 4 pour tomber dessus. I think that clearly shamanism is an ancestral science, and it's ancestral, but it's contemporary as well because it has survived so many thousands of years. These techniques are the result of centuries, millennia of trial and error, which is the scientific method. You try something, based on the results, you modify what you're doing based on another outcome that you desire. I think these are technologies of consciousness. These are technologies of the spirit. And there's no reason that they have to be hidden. I mean, you might have to work a little bit to get them and have certain responsibilities, but to make them off limits and to turn them into some kind of bad, shunned phenomena is just not true. It's just not fair either, really. J'ai été surpris de découvrir qu'il existait un vrai travail sur la pharmacologie de l'ayahuasca. Jess Callaway, docteur en pharmacologie à l'université de Kyopu en Finlande, et Charles Grob, psychiatre en activité à l'hôpital de Torrance à Los Angeles, ont participé au Brésil Ayahuasca Project, la plus importante étude expérimentale sur l'ayahuasca jamais réalisée. Ils ont pendant des mois suivi 15 utilisateurs de la plante, procédé à des analyses de sang, des électrocardiogrammes, surveiller la pression sanguine et suivi psychiatriquement ces individus. Avant et après les sessions, ils ont procédé sur un sujet à des scanners du cerveau. Leurs résultats sont exemplaires. L'ayahuasca ne provoque ni accoutumance, ni toxicité physiologique. Au contraire, les niveaux de sérotonine, notre antidépresseur naturel qui normalement baisse après l'usage de toutes les drogues connues, étaient ici en augmentation dans le sang. Des modifications physiques temporaires du cerveau avaient été enregistrées. Elles signalaient un accroissement provisoire des neurorécepteurs alloués à cette même sérotonine. Ces découvertes sont proprement révolutionnaires sur le plan des potentiels thérapeutiques. Les Indiens sont intrigués par ces touristes occidentaux qui, comme moi, débarquent en quête d'expériences mystiques sur la trace de Carlos Castaneda ou de William Burroughs. Pour eux, le monde invisible est une réalité qu'ils n'ont pas besoin d'explorer. Elle est inscrite dans leur culture. Ils ne vont voir le chaman que lorsqu'ils sont malades. Le contact concret avec les autres mondes est dangereux, mais le chaman est là et son pouvoir les protège. Kesten Betsa m'a demandé pourquoi je voulais participer à un rituel. Je lui ai répondu assez déterminé que je voulais savoir. Ainsi, guidé par lui, j'ai pénétré le monde des visions. Là-bas, j'ai tremblé en affrontant mes peurs. J'ai vomi en découvrant ma noirceur. Et j'ai pleuré en traversant la lumière. J'étais comme un enfant qui découvre un nouveau monde. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai compris ce qui s'était réellement passé. Que dans tous ces rituels, par une technique, une connaissance qui dépasse mon entendement, il m'a guidé dans une violente confrontation avec mon identité. Ainsi, il m'avait soigné, car ce n'est pour lui que de cela qu'il s'agit, soigner. Desde el otro punto del mundo o dimensión se puede fácilmente comprender, reconocer la enfermedad. Las raíces de la enfermedad, uno puede ser psicológico, otro puede ser orgánico, otro puede ser espiritual. Una enfermedad espiritual es muy diferente porque el hombre está sin los ánimos, está sin el espíritu
y es muy pobre de fuerzas, ¿no? Muy agitado, ¿no? Con mucha pena. ¿Podrías traer el día domingo en la noche para hacerle un buen tapado? Ya. En la noche, a las 9 de la noche. A las 9. Pero. Ya. Ya puedes traer su colchoncito, su abrigo, para tratarle así en ceremonia. Las dos semanas pasadas me sentía terrible, horrible, me sentía muy, muy mal. Pero esta semana que pasó, ya me fui calmando poco a poco. Y ayer que me fui, me animé a tomar el ayahuasca. Me llamó, me dio de tomar, sabe, tiene un sabor muy, muy amargo. Y me fui a sentarme. Luego sentía que me mareaba. Y luego vino, después de la media hora, vino uno de los señores a cantar. Y cuando comenzó a cantar, la señora era peor, sentía que me muero. Y más o menos después de la hora habrá sido, después de que me cantó el señor, sentía que estaba soñando y una voz de una mujer que me decía, sí, esto es un sueño, no pienses que es tu imaginación, estás soñando no porque tú quieres, sino por el ayahuasca. Y me desperté, o sea, no quería, o sea, me sentí incómoda. Y luego mi mamá me llevó donde el señor Guillermo porque me tenía que tratar. Y cuando me paraba me sentía como en las nubes, bien frágil. El chamanismo es una ciencia natural que los hombres han descubierto en todas partes de la tierra, según su raza, según su folclore, según sus épicas, según sus ritos, sus leyendas, sus cuentos y mitologías. El hombre siempre es una persona dedicado a las cosas espirituales. Prácticamente el hombre es como un animal religioso. Yo le veo mejor. Antes de ir no reía, pero ahora sí ya se siente bien. Sonríe mucho, ya no llora como antes, ya no dice, porque quería estar echada en la cama y quería estar cerca a mí, así agarrándome, así abrazándome, así. So let's say the shamanism has several components. Well, this is a term created by anthropologists. Of course, the term shaman comes from the Tungus language, you know, and it has been applied to practitioners all over the world. So, and it's applied even to modern practitioners, Western practitioners. So it's a term that has been used so much. You know, it's very difficult now, you know, to define somehow, you know, what it will be, a real shaman. But I would say they will have several characteristics. It will be a man or a woman who is able to enter a modified state of consciousness, you know, and by means of, and in this trance state or whatever, you know, non-ordinary state, he is able to contact spirit realm, spirit world, in the name of his community. A shaman is one who's really dedicated to exploring the inner spaces. I mean, they've really made an effort to do this. And as a scientist, I have to say that we don't and we can't know everything, and that there's so many things that we can't know and don't know, that we have to leave open the possibility that there are
people like shamans who can tune into information that's not readily available to other people. And these people have quite an important function, if for no other reason than to give us some perspective on reality. Bueno, yo he llegado a muchas partes donde están grandes hombres, están unos hombres, unos ancianos, unos reyes, donde tienen la sabiduría, verdaderamente una sabiduría, máxima sabiduría, como nosotros decimos, que lo saben todo. No existe allí el tiempo ni el espacio. Allí no existe el tiempo ni el espacio. Todo es presente. Well, usually, you know, when we look at Western science, there's the Cartesian Newtonian thinking is seen as something that is very rational, very far from non-ordinary states, and we forget that the inspiration for Descartes, for the Discours de la Méthode, came from a dream, and a dream within a dream, basically, you know, from a non-ordinary state of consciousness. So that as long as we stay in the ordinary state of consciousness, you know, with all the scientific methods and all the scientific instrument, we are just exploring a segment of reality. And we are missing sort of a significant part of the story that is revealed in these non-ordinary states. Of course, that's, you know, that is the way in non-ordinary states, the yogis get their wisdom. I mean, it's these people tap some kind of sources of wisdom that are not available in the ordinary state of consciousness. They show either a radically different perspective on the everyday reality, or they show us normally invisible realities that are extremely important for a really true, deep understanding of who we are and what the nature of reality is. Et donc je pense que encore aujourd'hui dans tout être, il y a une dimension chamanique fondamentale, par exemple lorsqu'il rêve. Chaque nuit, l'homme redevient cet être mythique. Le problème, c'est que justement, il prend cette réalité mythique pour une réalité non réelle. Hein? Justement, cette idée de dire qu'il y a des réalités non réelles me fait rigoler, parce qu'en fait, tout est réel. Hein? Donc la réalité du rêve est aussi réelle que la réalité de cette prairie ou de ce ruisseau derrière moi, ou de cette caméra qui nous filme, mais elle est différente. Hein? Et c'est précisément ça qui est intéressant. C'est le fait que nous ayons des réalités différentes et que pour pouvoir comprendre le monde, il faut pouvoir passer d'un niveau de réalité à un autre. Los espíritus se oye acá que cantan bien, bien. Te está hablando y te dice esta canción es para esto, para este otro. Te explica. Y uno, si dieta bien, lo canta perfectamente como el espíritu lo canta. Por medio de esa canción se los llama. Es casi como un teléfono que usamos para llamar a una persona. Melodies that are used in ayahuasca ceremonies, but all throughout religions all around the world throughout time, have found sacred sounds that seem to be beneficial in inducing certain states of consciousness. Sinangakumakea makemakevainki
Les premiers temps, je me roulais par terre flottant dans mon corps, écran vivant de ces visions. Elles me transperçaient de part en part. Petit à petit, j'ai compris. Il fallait se concentrer pour se laisser traverser par cette forme inconnue de langage sans mots, pour le laisser déplier ses mystères à l'intérieur de l'esprit. La réalité de ce monde apparaît aussi concrète que la réalité matérielle. Plus forte encore, car je ressentais dans mon corps ce que je voyais. Les images et les sensations étaient unifiées. Kestenbetsa et la plante m'amenaient dans un autre monde. Elle était le véhicule, il était le pilote. Au cœur même de l'expérience, j'avais cette certitude que ces mondes étaient liés aux pensées. Elles n'étaient plus de petites impulsions fugitives auxquelles je m'identifiais sans en avoir conscience. Elles étaient de gigantesques univers en mouvement. J'avais envie de rire avec complicité, de lui crier ma joie face à la découverte, mais au moment où ses pensées jaillissaient, il m'entraînait avec précaution dans les mondes de terreur, afin que j'en prenne tout autant conscience, que toutes ces peurs, ces désirs étaient toujours en moi latents, tout autant que ce pouvoir d'extase. Si je voulais aller vers la lumière, il fallait que j'accepte de regarder l'ombre pour que se crée la vigilance. Pour reconnaître l'ombre à temps, car elle apparaît toujours quand la lumière est trop forte. Cette ombre prend la forme de la moindre pensée qui essayera de s'emparer de l'expérience. Mais quel autre type de pensée peut exister alors? Ne sachant que faire, mon esprit fuyait chacune d'elles en se plongeant dans la sensation du corps. Il était le refuge. Quite often with ayahuasca visions, there's a coherence to the vision. There's a message to the vision. There's intrinsic meaning to what is being perceived. La chacruna es como la vista. La chacruna es como la vista. Abre la mente y la vista y entonces puede captar muchas cosas. Las visiones que se puede encontrar a la serpiente es la madre de la planta, ¿no?, que representa. Esta serpiente puede ser también un medio de viaje. Esta serpiente también puede ser un maestro en la enseñanza. These shamanic techniques take us way beyond this sort of individual history that is the main focus of psychotherapies. It takes us into the realm of death and rebirth. It takes us into the realm of powerful forces in nature, archetypal beings, deities, and so on.
So it operates in a very, very different realm. I think about archetypes as kind of primordial, universal forms that somehow have objective existence. Je pénètre en quelques minutes le monde des visions. Ils chantent, je me détends enfin. Les yeux mi-clos, j'observe un long ballet de serpents qui laisse place à des crocodiles. Je suis surpris car c'est la première fois que j'ai une telle vision. Je ressens l'extase et la laisse lentement pénétrer mon corps. Puis son chant s'arrête, les crocodiles disparaissent et je flotte seul en moi-même. Les visions s'assombrissent. Je sens la terreur qui emplit mes organes. Ils me crient leur existence. Mon ventre se noue. Mon esprit ne peut accepter d'être lié à cet amas de chair palpitant. Les visions deviennent menaçantes. Au moment de perdre pied, Kestenbetsa se remet à chanter. Les cellules se remettent à vibrer et l'extase est immédiate. Je ne pense plus. Je sens avec angoisse des mouvements en moi. L'énergie de ces bijoux vivants semble me soigner. Ils caressent mes viscères. Ma pensée me crie de m'enfuir, mais mon corps refuse de bouger. Je sens le souffle de la folie effleurer ma conscience. Ma pensée hurle ses peurs. La mort, la mort, la mort, la mort. Puis tout disparaît. Cuerpo físico entra al mundo espiritual sin necesidad de muerte. L'esprit qui venait à côté de moi de poser un genou à terre était une femme sans visage. Elle s'est lentement approchée et me touchait presque lorsque ma pensée a jailli. Esprit, tu peux entrer en moi, je tiens vite. À ce moment, le chant de Kestenbetsa m'a retenu. Il me disait « N'appelle pas un esprit comme ça, c'est dangereux. » L'invitation dans le monde des esprits était terminée. Los incas tenían comunicación con los espíritus. Los mayas. Aquí, los shipibos tenían comunicación con espíritus. Los amahuacas igual, todos los aborígenes de acá. Y mayormente viven en grupos los espíritus. ¿No?
Entonces estos espíritus tienen un encargo, ¿no? Por ejemplo, si una persona quiere solamente conocer el uso de plantas, no puede utilizar, puede enseñar. Por ejemplo, si yo quiero aprender de planta, entonces este espíritu me dice, esta planta se utiliza así, en tal enfermedad, ¿no? O en tales casos, cómo hay que utilizar. Entonces, otros espíritus te pueden enseñar también debajo de la superficie de la tierra, del agua, del espacio. Nosotros estamos conectados con todo el universo. Nosotros somos microuniverso y sobre todo entre nosotros hay otros mundos también que son unos universos. Entonces todo es, todo va así, compaginado. Nosotros en verdad, nosotros no estamos sueltos, nosotros estamos ligados como un enchufe para la electricidad, para una luz. Así estamos nosotros. J'ai écouté ce que les chamans amazoniens disaient, les mots qu'ils utilisaient. Ils disaient, il y a des essences ou des mères ou des esprits qui sont communs à toutes les formes de vie. Et c'est avec, en étant en contact avec ces entités que l'on peut apprendre sur les propriétés de toutes les autres espèces et communiquer avec elles. J'ai découvert qu'en jetant un regard informé par la biologie moléculaire sur des représentations que des chamans faisaient de leur vision, on avait toutes sortes de correspondances, toutes sortes de formes en double hélice, par exemple. Il y a des indications en regardant ce que les chamans perçoivent dans le monde des visions, qu'à un certain niveau, ils sont possiblement en train de percevoir une version moléculaire de notre biologie, qui nous connecte à tout ce qui nous entoure. Parce que finalement, lorsque vous allez dans les neurones d'un être humain, au centre de ces neurones, il y a un noyau qui contient de l'ADN, cette longue molécule en forme de deux serpents entrelacés, qui contient l'équivalent de 186 bottins de téléphone de la ville de Paris, tout ça concentré en 2 millionièmes d'une tête d'épingle. Et cette substance quasiment miraculeuse et informationnelle se trouve dans toutes les autres formes de vie autour de nous et a d'ailleurs des propriétés électriques, électromagnétiques, que l'on commence à mesurer, mais qui sont encore assez mal comprises. Il faut quand même prendre en ligne de compte que la science n'a découvert la structure et la fonction de la molécule d'ADN il y a seulement 48 ans, tandis que les peuples chamaniques placent la forme de la double hélice, qui est celle de l'axis mundi, comme les historiens de la religion l'ont appelé, au centre des images chamaniques et des représentations qu'ils font des esprits de la nature depuis des milliers d'années sur les 5 continents. The double helix is the essential code of life, and Narbi is suggesting that ayahuasca taps us into the most primordial levels of our sense of self, of our own intrinsic biology. I was thinking about that. I was trying to figure out how that would happen. I mean, there are people who do descend into their DNA on a big psychedelic trip. They sort of see their consciousness get finer and finer and finer, from their bodies to their organs to their cells to their nucleus to their DNA. Thank you.
We've got all the receptors there, and these receptors are exquisitely sensitive to even the most minute doses of some hallucinogens. Why is that? We seem to have evolved in some a parallel path, let's say, the human central nervous system and plant hallucinogens. Did we come from a common core origin? Why is it that the human brain is wired to be so exquisitely sensitive to even minute doses of hallucinogens? This, to me, is an interesting question for scientists and philosophers to ponder. PCR is another place where I was down there with the molecules when I discovered it. And I wasn't stoned on LSD, but my mind by then had learned how to get down there. I could sit on a DNA molecule and watch the polymerase go by, you know, and I didn't feel dumb about that. I felt like, I mean, that's just the way I think. It's like I put myself in all different kinds of spots. And I've learned that partially, I would think, and this is again my opinion, through psychedelic drugs. Dr. Carey Mullis, I now ask you to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King. Biogeneticist Dr. Carey Mullis had won the Nobel Prize for inventing PCR, a revolutionary technique for multiplying tiny amounts of DNA for use in genetic research. A creative breakthrough, he claims, came from psychedelic drug use. I don't do experiments often, you know, in big things, like what if I had not taken LSD ever? Would I have still invented PCR? I don't know. I doubt it. I seriously doubt it. I was inspired to create the series of paintings, The Sacred Mirrors, initially by a psychedelic experience. And that brought me out of my body. I'd like to combine the understanding of Western science with the more Asian and Eastern understanding about the life energy systems and things, and the shamanic understanding that it's all interwoven, you know, that we're from matter to spirit, it's a continuum. And to show that primordial understanding is throughout all the different cultures, and all those things are very related, though, to the shamanic realms. So the ability to use those states creatively and for a higher purpose than just being crazy or just, you know, staying high or whatever, gives them a way to use these visionary tools. I think that more artists are experiencing the mystical state. There's no choice. After you have the experience, your work has to reference it. Le fou ne communique pas avec autrui. C'est-à-dire que c'est là pour moi que se situe la différence entre ce qui est exploration dangereuse d'un monde, ce que Michaud, poète français, appellera la connaissance par les gouffres, hein, et le basculement dans la psychose. Alors bien entendu, cette exploration dangereuse, elle est dangereuse parce qu'on peut à un moment donné basculer dans un univers où ce que l'on va éprouver ne sera plus communicable. Prenons l'exemple de certains grands romanciers. Je prends pour moi ce qui est probablement le plus grand romancier chaman que nous ayons à l'époque contemporaine, c'est Kafka. Hein, j'ai d'ailleurs écrit un texte sur Kafka chaman, et on a tout le texte de la Métamorphose, qui est un texte proprement chamanique, hein, où Kafka se transforme en une sorte de blatte cafard, hein, et où il va vivre cette métamorphose. Ce qui pourrait apparaître comme un délire s'il n'était pas symbolisé, à partir du moment où Kafka l'écrit, hein, et le transforme en quelque chose de communicable, devient quelque chose qui est symbolisé et qui n'est plus du tout de la folie. Les expériences de sortie de soi, de conscience
surmultiplier ou altérer, je ne sais pas quel terme on peut employer, mais je trouve qu'altérer, c'est un peu idiot. Je dirais plutôt de conscience désaltérée, moi, je dirais. c'est des choses qui poussent à la communication. Au niveau de la technique, c'est quelque chose qui est en même temps extrêmement complexe, mystérieux, bizarre, indescriptible et en même temps très naturel. C'est une espèce de transe légère qui me laisse conscient de tout ce qui se passe autour de moi, mais me branche sur une autre dimension, littéralement. Et c'est comme s'il y avait un travail de plutôt que de création, c'est un travail de découverte. On découvre. C'est comme si les choses étaient couvertes. L'éducation de la perception et même la destruction des enveloppes et de tout ce qui fait qu'un être humain est intégré socialement, est civilisé, domestiqué, etc. L'artiste, lui, il doit casser ça. J'ai eu une expérience avec les champignons hallucinogènes qui m'a bouleversé à un point incroyable. Je dois dire que faire cette expérience avec les champignons, c'est quelque chose de tellement fort que, en ce qui me concerne, je me suis bien promis de ne pas recommencer. Et puis, il m'a fallu toute une vie pour, je ne dirais pas digérer, mais assimiler et développer ce que j'avais vécu au cours de ces quelques heures. J'ai la chance de ne pas avoir été éduqué vraiment. Tu vois, j'ai pas été à l'école très longtemps, et j'ai même pas fait mon diplôme, graphique jusqu'au bout. J'ai tout de suite été extrait, chaque fois j'ai été extrait de ces systèmes de domestication de l'esprit, par une chose ou par une autre, et j'ai été lancé dans des sentiers tout à fait sauvages. Et cette histoire avec les champignons n'a pas arrangé les choses, puisque j'ai été vraiment projeté dans le mystère sans personne pour me tenir la main. Et c'était vraiment la folie. D'ailleurs, c'est la folie. Et souvent, quand je dessine, l'angoisse dont je parlais tout à l'heure, c'est d'être confronté à une forme de folie. C'est-à-dire, on est devant des langages. Je me trouve devant des langages qui n'ont pas qui sont pas répertoriés. Et alors, c'est extrêmement difficile et douloureux. En même temps, bon, il suffit d'arrêter de dessiner, puis on prend la page, on la jette. Mais c'est pas comme ça que ça se vit. Ça se vit comme si on était réellement en danger. Thank you.
si no se entra a una vida disciplinada, disciplinada digo así porque hay limitaciones de los alimentos, hay limitaciones de las bebidas, hay limitaciones en la conversación, en la forma de pensar, ¿no? Y estar puro, purificado, ¿no? Entonces, en base a esa disciplina, uno puede captar las visiones, el conocimiento, los contactos con los espíritus y seguir avanzando hacia el fondo de la parte espiritual. Yo siempre he pedido que los occidentales tengan cuidado, ¿no?, en cuanto acerca de todos estos usos, porque todo merece un respeto. So many people in our culture taking psychedelics and ayahuasca and other things, it's just mere entertainment, like a roller coaster ride. And they have the experiences, they see the visions, and then that's the end of the ride, and they don't apply the knowledge. That's kind of sad. I think we have to do something with this information. These things are just keys, like any tool. The real information is locked in ourselves. We just have to figure out how to unlock it. The point is to open up the potential that we have. Il est certain que quand on commence à utiliser le cannabis ou les champignons ou le LSD ou le peyote ou l'ayahuasca pour remplacer la télé ou faire des rêves partis, c'est un désastre total. On sort complètement du contexte. Tu vois, c'est comme si les chirurgiens s'amusaient à faire des transplantations cardiaques pour le fun, tu vois, pour passer un week-end. c'est du délire. It is the oldest spiritual system, also the oldest healing art. It is a system where the spiritual approach and the healing approach are not separated the way we have it in our culture, but it's integrated. And, you know, I see the shamans as the early pioneers of consciousness. Nato ari hiviki hana wa no aikanai no papa wuki nuska nuska pao ni no wakubo ika no adivira ikai no anuska nuska ti. Nosotros los indígenas entendemos por qué, porque convivimos con la naturaleza, convivimos con los espíritus, tenemos nuestro concepto tradicional, tenemos conocimiento de nuestra cultura, pero en sí los occidentales no, porque desconocen estos conceptos tradicionales. Après plus d'une centaine de cérémonies avec Esten Bensa, beaucoup de choses ont changé dans ma manière de percevoir le monde. J'ai découvert que je n'avais jamais habité mon propre corps ni réellement quitté l'enfance. Pour moi, leur art de soigner est une science de l'esprit. Leur plante, une technologie de la conscience mise à disposition de l'humain par la nature pour entrer en relation avec elle et avec soi et comprendre ses alliances sacrées. C'est un chemin dangereux dans lequel il faut avancer avec prudence. J'ai manqué une fois de cette prudence vitale et ne respectant pas les diètes, j'ai connu la schizophrénie pendant une semaine. J'ai dû retourner dans la jungle pour qu'ils m'aident à reconstruire la partie psychologique de mon esprit. Je me retrouve une nouvelle fois au cœur de l'expérience. Ce soir, nous avons pris une nouvelle plante. Les visions sont trop fortes. Je tente en me convulsant d'échapper à toute pensée. Pour ne pas devenir fou, pour être à l'instant, l'esprit mis à nu ressentant l'organique. J'ai des pensées que je n'ai jamais eues. L'impression d'accéder à des désirs cachés, à des pulsions secrètes. Les vérités se transforment en mensonges dès que je les attrape. Une cascade sans fin d'informations sur mes mécaniques psychiques. Sur ce que je suis ou crois être.
Je ne peux que sentir le sang couler dans mes veines, sentir le plus infime de mes muscles, tandis que les visions augmentent et se déploient au rythme des chants. Mon identité se dissout dans ces images perçues comme des concepts cognitifs insaisissables par la pensée. Lorsque les chamans me lâchent un instant dans ce monde, j'ai peur de moi-même. J'ai de nouveau peur de ce que je peux imaginer, et cette idée me commande de m'enfuir. Mais s'ils me rattrapent, je ne peux échapper à l'expérience. J'ai juste été possédé par une pensée. Les chants me répètent sans cesse de ne pas la saisir. Ils me guident dans ce lieu de l'esprit-corps où elle semble naître. Elle n'est encore qu'une émotion, une sensation, une vision. À cet instant, dans cette expérience collective, je suis le primitif, éduqué et soigné par des créatures sophistiquées et bienveillantes.
Oh.